Bonjour à tous. Nous revenons sur notre cours qui consiste à présenter le caractéristique du modèle d'équilibre général. Nous allons essayer de pouvoir présenter les cadres analytiques de ce modèle, c'est-à-dire que nous allons présenter les données, le choc, la modélisation, mais aussi les résultats. Dans cette partie, la section précédente, nous avons présenter les conditions de l'équilibre wallerien, les différentes interactions qui peuvent exister entre les agents et les secteurs. Et aussi, nous avons introduit que, en fait, le troc, en fait, la non prise en compte des transferts financiers entre les agents. Et aussi, nous avons aussi introduit, en fait, comment s'appelle-t-il, les différents critères en fait de cet équilibre d'équilibre général calculable, d'accord. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons introduit en fait la matrice de comptabilité sociale que nous avons définie comme étant un tableau, une matrice qui synthétise en un tableau unique l'ensemble des transactions flux réalisées entre les différents agents économiques et constitue de ces faits une synthèse des documents comptables. Elle constitue en tant que telle un premier outil de simulation des politiques publiques. La matrice de comptabilité sociale est un outil de simulation de ces politiques économiques. D'accord? Nous avons aussi présenté, en effet, que le principe de la comptabilité nationale qui régit en fait toute en fait économie dans le monde établit que chaque institution dispose de revenus qui sont les ressources provenant des diverses origines qu'elle alloue à différents postes de dépenses, emplois. Ça pouvait être, voilà, lorsque vous avez tel revenu, vous employez dans l'éducation, tel revenu, vous employez dans telle chose. Par exemple, le gouvernement, en fait, d'un pays X qui reçoit un revenu sous la forme des recettes tarifaires, revenus ou ressources, d'accord, qu'ils utilisent pour consommer et épargner, dépenses ou emplois. Les ménages reçoivent la rémunération de leur travail et l'utilisent pour consommer les biens et services et épargner. Comme je vous dis, un ménage qui a un revenu, il a la possibilité de consommer. Lorsque nous sommes en dynamique, il consomme une partie et l'autre partie, il va pouvoir l'épargner. D'accord? Les ménages emploient, les ménages, comme je disais, utilisent leur rémunération pour leur travail, ainsi de suite. Une matrice de comptabilité sociale retrace ainsi, pour une année donnée, l'ensemble des revenus et dépenses, en fait, ou emplois-ressources, de chaque unité institutionnelle, agent économique. C'est-à-dire que quand vous prenez un agent, on prend le ministère de l'Éducation. Nous avons, en une année, combien de revenus a eu ce ministère et quel emploi a-t-il fait de ce revenu? Voici en fait comment en fait le principe de la comptabilité, comment ça peut dire, la matrice de comptabilité sociale. Dans le cadre en fait de cette matrice-là, comme je disais, chaque en fait une entrée dans la ligne et la colonne représente les recettes du compte I du compte I du compte J. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, en ligne, nous avons en fait les recettes et en colonne, nous avons en fait les dépenses ou c'est-à-dire que les charges que nous devons faire. Les informations qui peuvent être contenues dans la matrice de comptabilité générale, une matrice en fait de comptabilité sociale, se présente sous forme d'un tableau carré qui comporte une ligne qui est indice I et une colonne indice J où N représente le nombre d'institutions. Nous avons en ligne le nombre d'institutions. Ces éléments, en fait, représentent les ressources que l'institution U reçoit de l'institution G. C'est-à-dire que vous voyez, on a en ligne l'institution I et en colonne l'institution J. Maintenant, nous avons, comment ça peut être, c'est les éléments, en fait, qui contient la matrice, va nous définir combien, en fait, telle institution reçoit, sous forme de ressources provenant d'une autre institution. Les emplois ou dépenses sont enregistrés en colonne. Comme je vous ai dit, en colonne, nous avons les emplois ou les dépenses. D'accord? Et les ressources ou revenus sont enregistrés en ligne. D'accord? Selon le principe
en fait d'équilibre ressources emploi, le total de la ligne est égal au total de la colonne pour chaque compte et chaque institution. Voilà, je répète en fait. En ce qui concerne la matrice, en fait, les emplois ou dépenses, les dépenses sont enregistrées en colonne, d'accord, de la matrice de comptabilité sociale, et les ressources ou revenus sont enregistrés en ligne, d'accord? Selon les principes d'équilibre ressources-emploi, le total de la ligne est égal au total de la colonne pour chaque compte et chaque institution. Donc, voici comment, en fait, cette matrice est faite. Par exemple, nous avons une matrice, en fait, où en ligne, nous avons le compte des facteurs, nous avons le compte courant, et nous allons essayer, en fait, de jumeler les mêmes, en fait, notations en, comment s'appelle-t-il en colonne. Donc, nous avons en ligne et en colonne. Maintenant, dans chaque dépense, dans chaque partie, quand il y a une interaction, des fois, il peut exister une interaction entre telle institution et telle institution. Des fois, ils peuvent ne pas exister d'interaction. Donc, nous allons essayer, en fait, de pouvoir énumérer toutes ces interactions et nous allons, en fait, compter, que ce soit la ligne de cette institution à gauche, nous avons un total, et à droite, nous avons un total, et nous allons comparer les totaux de part et d'autre, voir est-ce qu'il y a l'équilibre ou non. D'accord? Donc, une matrice peut être considérée comme une extension des tableaux d'entrée-sortie, un cadre largement utilisé pour fournir en fait des informations détaillées sur des biens et services ainsi que sur la structure de coûts de production. Donc, dans la matrice, en fait, les dépenses de consommation finale, la formation de capital, le commerce sont représentés par produits ou industries d'origine et la consommation intermédiaire achat à la fois par produits ou industries d'origine et des destinations. Donc, la génération de revenus est représentée par la valeur ajoutée. D'accord? Donc, maintenant, en ce qui concerne, en fait, voilà, en ce qui concerne cette partie de la matrice, nous allons essayer de présenter la table, en fait, d'entrée et sortie. Cette table d'entrée et sortie est symétrique et basée sur la matrice d'approvisionnement, c'est-à-dire la fabrication, et la matrice d'utilisation, absorption, c'est-à-dire ce qu'on consomme, ce qu'on absorbe, OK? Donc, la matrice d'utilisation donne les entrées des produits dans les industries, qui sont les activités, tandis que dans chaque ligne de la matrice d'offre donne la distribution de la production. Donc, on va distribuer des différents produits par l'industrie, en fait, de cette ligne. Donc, lorsque une industrie produit tel et tel bien, elle va pouvoir le dispenser, le donner à chaque demande, c'est-à-dire que l'industrie qui consomme, qui a l'attribution d'une consommation finale ou intermédiaire. Chaque colonne de cette matrice donne les valeurs de la production de cet bien produit par différentes industries. Donc, la table d'entrée, en fait, d'entrée et sortie symétrique est obtenue à partir de ces deux matrices en faisant certaines hypothèses mathématiques concernant les technologies. Donc, voici comment, en fait, la génération de la matrice en fait la matrice de comptabilité sociale est faite à travers la table d'entrée et sortie symétrique qui énumère en fait la matrice d'approvisionnement, c'est-à-dire c'est ce qu'on fabrique, et la matrice d'utilisation aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi nous avons fabriqué tel bien ou tel service, parce que nous avons besoin de l'utiliser ailleurs. Donc, le modèle, en fait, la matrice d'entrée et sortie ne montre pas l'interrelation entre la valeur ajoutée et les dépenses finales. En étendant une table d'entrée et sortie et en montrant un flux circulaire complet de revenus au niveau macro, on capture les caractéristiques essentielles d'une matrice de comptabilité sociale. Ainsi, une matrice de comptabilité sociale fournit à l'instant T, en fait, l'économie pour une économie donnée, pour chaque année, c'est-à-dire pour une année donnée. Donc, lorsque j'ai une matrice de comptabilité sociale pour telle économie,
C'est-à-dire pour telle économie et pour une date donnée. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'instant T. C'est-à-dire que c'est la matrice des comptabilités sociales, en fait, de toi, entre l'intervalle d'un mois à un autre, peuvent changer, ou d'un jour à un autre. Donc, il faut qu'on fixe la granularité de cette matrice-là, ce qui est très important au niveau, en fait, de l'analyse, en fait, de l'économie d'un pays. D'accord? Donc, maintenant, nous allons essayer, en fait, de présenter cette matrice en ligne. Vous voyez ici, on note, en fait, comme nous avons dit, ce sont, en fait, les dépenses, ce sont, pardon, ce qu'on reçoit, et nous avons ici les dépenses, d'accord, en colonne. Pardon, en colonne, nous avons les dépenses, et en ligne, nous avons les ressources. Donc, vous voyez ici, c'est noté 1, ici, c'est 1, donc ça veut dire que c'est la même chose, donc on n'a pas voulu, en fait, extendre ça, d'accord? Donc, nous avons jusqu'à 25, d'accord? Nous avons jusqu'à, en fait, 25, et ici, on a 25 jusqu'à accumulation, d'accord, en anglais. Donc, nous avons, en fait, ces mêmes revenus. Maintenant, comme vous voyez, entre labo et labo, il n'y a pas d'interaction. Donc, nous avons eu notre première interaction entre, en fait, 1 et 3. Donc, nous avons, en fait, cette interaction. Et ensuite, nous avons entre le 6, voilà, le 6 qui est le gouvernement, et aussi le labo, hein, le labo, le travailleur, en fait, qui sont endorsés par le gouvernement, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ici, nous avons, en fait, notre matrice de comptabilité qui a des facteurs, c'est-à-dire que de 1 à 7, de 1 à 2, ce sont les facteurs, de 3 à 7, ce sont les agents. Maintenant, ce sont de 8 à 13, ce sont les activités productives. De 14 à 19, nous avons le marché domestique. Nous avons le marché d'exportation de 20 à 24. Et nous avons ACC, qui est la partie accumulation aussi, qui est dans notre cas. Donc, vous voyez qu'on essaye de faire, en fait, le total qui est de 1 à 25. Donc, qui nous donne, en fait, tout le total. Et ainsi de suite, ici aussi en ligne, on fait le total. Donc, c'est pour cette raison, je disais, lorsqu'on fait ce total-là qui est ici, qui est là, ce total qui est là, et il peut être égal à celui-là. OK? Donc, voici un exemple de comment ça s'appelle? Un exemple de ce que, en fait, de la description de notre matrice de comptabilité sociale, mais aussi de comment est-ce que nous allons essayer de pouvoir identifier cette matrice-là, d'accord? Ainsi de suite. Donc, nous avons aussi, en fait, comment la description de notre modèle est faite, même si, en fait, comment ça s'appelle, la démonstration est, en fait, du graphique. Nous avons en ligne, la première des choses qu'il faut faire, ce sont les données des bases qu'il faut essayer, en fait, de mettre en place pour l'économie. Compte national, enquête sur le niveau de vie, tableau d'entrée-sortie, en fait, données sur le commerce et la balance des paiements. Ce sont les données qu'il faut chercher. En fait. Une fois qu'on a do les données, l'ensemble des données d'équilibre, en fait, référencées, nous avons notre matrice de comptabilité sociale qui est un élément très important au niveau de la base, en fait, de notre modèle, OK, ajustement pour la cohérence comptable. Nous avons spécification de la forme fonctionnelle et calibrage à l'équilibre de référence. D'accord? Maintenant, nous avons essayé, en fait, d'identifier le compte de réplication. D'accord? C'est-à-dire des cas où il y a aussi, en fait, des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Nous avons de l'autre côté aussi spécification élastique et paramètres exogènes. Donc, il faut introduire ces paramètres qui sont très importants au niveau de la modélisation. Donc, nous avons une première estimation qu'il faut, en fait, mettre en place. Maintenant, une fois qu'on a notre première estimation, qui est notre modèle, en fait, de référence, notre benchmark, nous allons essayer d'initier un choc ou un changement des politiques. Maintenant, et ensuite, nous avons essayé de refaire notre équilibre contrat en factoriel associé à un scénario de choc. Donc, ainsi de suite, nous allons essayer de voir le résultat, l'évaluer à cela, à comparaison entre l'équilibre
en fait, contrefactorielle et notre équilibre benchmark de référence. Et nous allons identifier quels sont, en fait, quels sont le, quels sont, quel est, en fait, ce qui différencie, quelle est l'importance de ce choc, et ainsi de suite. Nous allons essayer de refaire, en fait, ces chocs-là en fonction d'initier des chocs et de comparer, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons essayer de faire nos différentes simulations pour identifier tel choc, voici sa conséquence sur le modèle, tel choc, voici aussi leurs conséquences, et essayer de comparer avec notre modèle, en fait, benchmark qui ne prend pas en compte des chocs. D'accord? Donc, nous avons fini, en fait, nous avons fini la partie, en fait, sur le modèle d'équilibre général. Prochainement, nous allons essayer d'introduire le chapitre suivant qui va essayer en fait de voir quelles sont en fait les limites de ces modèles et quels sont les modèles aussi qui peuvent exister au niveau de la prise en compte de chocs exogènes, mais aussi au niveau de la modélisation en fait macroéconomique qui introduit en fait l'équilibre général à la fois et aussi des simulations, mais aussi de la recherche des données permettant en fait de pouvoir prendre en compte les chocs et de pouvoir orienter les politiques en fait économiques. Donc, merci pour votre attention.